Welcome to this series of fluency recordings from a few years ago, 2018. In this 5 weeks, I spent 5 weeks of working on my French and commuting, and you'll hear the weekly fluency recordings here. Cette semaine, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis allée à la fête d'anniversaire de ma nièce, Julia. Julia a maintenant 12 ans. Elle est très heureuse pour avoir commencé le collège. Elle vient de terminer la primaire, troisième, il y a 2 mois, en juillet. Elle va à la même école où ma sœur est enseignante. Elle aussi est très heureuse pour avoir ma nièce là-bas avec elle. Cette semaine, nous sommes allés aussi au cimetière américaine, aussi en Angleterre. Je ne savais pas qu'il y avait plus que 3 000 soldats morts américains dans le cimetière ici. Et j'ai appris aussi qu'il y a beaucoup de cimetières pour la France aussi. Je crois qu'il y a 8 ou 9 cimetières américains là-bas. Cette semaine aussi, j'ai appris beaucoup de français dans la voiture. J'ai décidé d'étudier comment on peut faire des phrases simples parce que mon audiolivre ne marche pas cette semaine. Je vais commencer la semaine prochaine un nouveau audiolivre. Je crois que je vais écouter un audiolivre qui s'appelle La mère de Brooklyn, ou En fille de Brooklyn. Je ne me souviens pas le nom, mais c'est quelque chose que je veux écouter. Je dois écouter beaucoup de livres parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour lire. Je suis très occupée avec mes projets ici, au boulot, et aussi avec mes livres et mes projets de langue et des histoires, de raconter histoires. J'ai 2 semaines encore de avoir tout mon français dans la voiture. Je crois que je vais faire un projet de cahier, de bullet journal. Oh, c'est possible que je vais regarder beaucoup de vidéos. J'aime bien Yabla parce qu'il y a beaucoup de vidéos très courtes et très intéressantes. Et on peut écouter musique, écouter des histoires,
Aussi, on peut étudier ou regarder vidéos sur la grammaire, sur la culture. On peut voir beaucoup de villes françaises aussi. On joue en Nancy, par exemple, autre jeu dans un des arrondissements en Normandie. C'est possible que je vais faire 5 semaines de activité physique parce que j'ai besoin de perdre de poids.